Bonjour, Marie-Dominique. Bonjour, Marie-Dominique. Bonjour, Karine Valdebel. Bonjour, Anne-France Babi. Bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'heure de la lecture, cette émission littéraire que j'anime une fois par trimestre. Je remercie la mairie de Melun qui m'a renouvelé sa confiance. Et aujourd'hui, c'est le 9 mars. Hier, c'était le 8 mars, vous le savez tous, c'était la journée internationale de la femme. Vous avez remarqué sur ce plateau, je n'ai que des femmes, et des femmes de temps. Bien sûr, nous allons passer une heure ensemble avec elles et puis avec le public et les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bien. Mais puisque les femmes sont douces, il faut une musique douce. Et pour cela, je vous demande d'accueillir à la hauteur de son talent le flûtiste et arrangeur Don Fadel. Vous-même devant ce public et les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Tant que je suis Don Fadel, artiste musicien, arrangeur de musique, et c'est avec grand plaisir que je viens participer donc à cet événement. Malgré la précipitation, parce que je reviens de Reims, on n'a pas eu le temps de se préparer, de répéter, mais nous allons faire le possible pour donner quelque chose d'agréable pour tous les publics et surtout pour toutes les mamans à l'occasion de votre fête de la femme. Merci. Je vous remercie. Merci bien. Voici une femme qui a baigné toute son enfance dans l'univers des lettres. Elle s'appelle Anne-France Babi. Vous êtes poète, conférencière, animatrice d'ateliers d'écriture, de créativité et de développement personnel. Vous avez aussi ce côté artistique, puisque vous êtes dans l'art, c'est-à-dire dessin et plastique. En ce qui concerne votre bibliographie, lettres et symboles, textes et illustrations, que vous avez publié en 2010 aux éditions XCA, et vous avez été participante à l'ouvrage collectif Louer Joie Soige, pratique de l'auto-louange pour tous, sous la direction de Marie Milice, édition Le Grand Souffle, c'était en 2016. Et encore participante à l'anthologie de poésie Les Poètes, l'eau et le feu, sous la direction de Jean-Pierre Bessu et Madame Marguerite Chamon. Ça, c'était en 2017. Participante également à l'anthologie de textes, Le Don des mots,
publié chaque année pour le Téléthon, c'est-à-dire en 2016, 2017, 2018. Bien. En préparant cette émission, je suis tombé sur une citation de Claude Millet. Vous connaissez Claude Millet ? Non. C'est une poète. Elle dit ceci. Le poète est celui qui s'exprime comme Dieu, en vers, c'est-à-dire de manière rythmée, d'après Claude Millet. Est-ce que vous adhérez ? Alors, le poète souvent s'exprime en vers et oui. De manière rythmée. Moi, je suis bien incapable d'écrire des vers. J'écris éventuellement des vers libres. Ma poésie est peut-être trop débridée pour avoir cette discipline de la versification. Et rythmée, j'aime bien casser le rythme. Donc, je suis une mauvaise élève en poésie, peut-être. D'accord. Maintenant, quand vous écrivez des poèmes, est-ce que vous visualisez déjà le lecteur ? Alors, quand j'écris de la poésie, je laisse plutôt mon stylo courir sur la feuille et j'oublie un peu tout. Je me laisse comme traversée par les mots. Et donc, je suis un peu seule au monde. Je peux écrire dans la rue, sur la place de la Concorde, comme je l'ai fait une fois. Et je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien. Mais après, quand je retravaille le texte, là, je me dis, ouh, je ne vais pas être comprise là, il faut que je retravaille telle strophe ou tel vers libre. Et à ce moment-là, je pense justement aux autres, aux lecteurs. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. La poésie, c'est elle. Le roman, c'est elle aussi. La peinture, c'est toujours elle. Cette dame de talent s'appelle Karine Van de Velde. Comme je viens de le dire, vous êtes poète, romancière, peintre, vous avez vécu longtemps en Afrique. Vous avez passé combien de temps en Afrique, madame ? De l'âge de 5 ans et demi jusqu'à mon baccalauréat, vers les 18 ans. Vers les 18 ans. D'accord. Parlons maintenant de votre biographie. Vous avez publié en 2014 deux recueils de poèmes aux éditions Cécile Langlois, Les écueils du recueil et Au temps de l'hivernage. Vous publiez toujours chez le même éditeur un roman sous le titre L'improbable voyageur que nous allons exploiter tout à l'heure. Et vous avez été beaucoup primé. Lauréate du prix de peinture du 4e Festival d'art contemporain, d'art ancien de Saint-Césaire sur Sciale en juin 2018. Lauréate du prix de peinture du 40e Salon national des écrivains et artiste rapatrié d'Antibes en mai 2018. Ensuite, lauréate du prix de peinture du 37e Salon national des écrivains et artiste rapatrié d'Antibes en mai 2015. Et enfin, prix du mérite artistique à Award Achèvement décerné par l'Institut européen des arts contemporains en mai 2014. J'ai lu votre poème. Franchement, ce n'est pas une façon, ce n'est pas une flatterie. Vous avez une belle plume. Mais d'où vient l'amour des mots, Karine Van de Velde? L'amour des mots m'a déjà été transmise, Monsieur Denis Malanda, par mes parents, qui sont quand même un vecteur fondamental d'apprentissage de la lecture. Et ensuite, j'ai eu la chance, quand j'étais à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence, d'avoir comme directeur de maîtrise le directeur de la Fondation Saint-Jean-Perse. On parlait de vers libres tout à l'heure. Saint-Jean-Perse en était un grand exemple. Et ce monsieur, qui s'appelait Monsieur Rousseau, je lui dois énormément. Il m'a appris à jongler avec les mots, il m'a appris à lire dans un mot des milliers de mots. Et j'avais, à l'époque, j'avais 20 ans, j'ai écrit l'essentiel des poèmes qui sont dans les écueils du recueil, et je n'ai jamais osé les lui montrer. Donc, il est au ciel, je pense qu'il a dû les voir un jour ou l'autre. Mais ce sont ces personnes-là, ainsi que certains professeurs que j'ai eus, qui m'ont donné cet amour de la langue française, qui est une langue merveilleuse.
Mais maintenant, pourquoi avoir choisi à vous intéresser à cette période de l'histoire? C'est une période transition dans l'histoire du monde, je veux dire la fin du 19e, le début du 20e, c'est une période d'abord de grandes découvertes, de grandes recherches scientifiques, de moyens de transport nouveaux. Et la période coloniale des pays africains? Alors, la période coloniale des pays africains, certes, ça a été, pour moi, je ne suis pas une langue de bois, un grand malheur pour le continent africain. Ça a été un moment de... On a partagé, on a décidé de mettre des gens dans des cases, on a tiré des traits qui étaient des lignes, des frontières, et on n'a jamais tenu compte de l'esprit clanique, des diverses tribus, des diverses langues, et Dieu sait si les langues africaines sont riches, les peuples africains sont riches d'une culture ancestrale. Nous venons tous d'Afrique, nous sommes tous nés en Afrique de l'Est, et il faudrait que les gens s'en rappellent de temps en temps. Notre sang est rouge, il a la même couleur que tout le monde. Et cette culture qu'on retrouve dans les arts, Picasso n'a rien inventé. Picasso s'est inspiré de l'art africain. La musique, d'où vient la musique? Elle vient d'Afrique. Les lettres, non. L'écrit, non. Parce que vous avez en Afrique cette tradition merveilleuse qui est la tradition des griots, qui est la tradition de la transmission de l'oralité, qui permet aux gens de se retrouver, de se réunir et de parler entre eux. Et ça, jamais je pourrais oublier ce que l'Afrique m'a apporté. Merci beaucoup. Je suis admiratif des femmes de talent. C'est le cas de Marielle Sigogno. Bien, vous êtes poète et romancière aussi. Vous avez publié 4 recueils de poésie, les poèmes de Petite Fée en auto-édition en novembre 2014. Oui. Et vers le... Vous m'arrêtez, hein, si je me trompe. Bien. Vers le doux chemin de mes mots, en auto-édition, en juillet 2015. Alors où ma plume s'endort, en auto-édition toujours, en mars 2016. Et la clé d'un bonheur caché en auto-édition, en juillet 2017. Et en 2018, la mort des 4000 éditions Cécile Langlois, que nous allons... exploité tout à l'heure, mais la question que je veux vous poser, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce roman? C'est quoi le déclencheur? Pour mes enfants, déjà. Oui. Je voulais leur dire deux secrets que j'ai eus il y a plus de 40 ans. Je voulais pas partir en gardant ça dans mon cœur et je voulais pas juste leur dire, en fait. Je voulais aussi que ce soit partagé pour que les gens puissent apprendre ce qui s'est passé à l'époque dans la cité, les 4000 de juin à Paris, enfin à la Courneuve. Et puis pour moi aussi, vu que j'avais osé dire des choses en poésie, je me dis pourquoi pas ça en fin de compte? Pourquoi pas le dire, ce qui s'est passé? Donc finalement c'est la littérature qui nous a sauvés? Oui. On peut dire ça. Oui, depuis 4 ans, la littérature m'a sauvé. Oui. Voici un public qui réagit au quart de tour lorsqu'on présente Marie Bermoud. Vous êtes poète, professeur des écoles, directrice d'école, formatrice à l'UFM d'Amiens, puis inspectrice de l'éducation nationale à Abidjan. En 2001, vous avez créé avec vos élèves une revue poétique pour enfants, La Plume de Pion, qui publiera pendant plusieurs années des travaux d'élèves. Bien. En 1999, là où on parle de votre bibliographie, vous avez publié votre premier recueil, Clair Obscur, aux éditions de la Nouvelle Pléiade. En 2002, en auto-édition, vous avez publié une plaquette Vocalise. Et en juin 2016, chez le même éditeur, vous avez publié Silence a cappella. Vous avez eu
prix de la promotion poétique de la Société des poètes français par rapport à votre premier recueil, Clair Obscur. Première question. Votre écriture est marquée par un style très concis. Est-ce que c'est un choix? Pourquoi vous le faites? C'est un choix pour vous? C'est effectivement un choix d'écrire de façon très concise et très dense. Hein, concise et dense. Avec toujours le souci, lorsque j'écris, de trouver le mot, hein, de mettre en jeu le lexique qui convient pour exprimer vraiment ce que je veux communiquer au travers de ce poème, et travailler également sur la place du mot dans le texte, hein, donc tout l'enjeu syntaxique également, la ponctuation, tout est vraiment pensé, hein, au service de ce que je veux exprimer, avec bien sûr une attention particulière à la métaphore, hein, parce que je pense que c'est vraiment la spécificité de la poésie, hein, et ce qui peut-être différencier la poésie de la prose, même si dans la prose on peut effectivement parler de prose poétique parfois. Mais la poésie, qu'elle soit versifiée classiquement ou en vers libre, doit être particulièrement marquée par ces différents aspects linguistiques et stylistiques. Voilà. C'est-à-dire écrire autrement que le théâtre aussi. Écrire autrement que le théâtre, bien oui. Sûr, hein, parce que la poésie a sa particularité, elle a ses codes d'écriture. Oui. Alors, que dire de la poésie libre, bien sûr, hein, qui fait exploser, comme le disait tout à l'heure ma collègue Anne-France Badoui. La poésie libre sort un petit peu de ce cadre rhétorique de la poésie classique, mais reste effectivement le rythme. Le rythme qui doit permettre au lecteur de lire quand même avec un certain confort cette lecture, hein, parce que cette poésie est ce qui s'inscrit aussi dans l'origine de la poésie qui était au départ oralisée. Hein. Quand on pense aux poètes grecs, ils s'accompagnaient de leur lyre. Hein. On parle aussi des kithares qui sont ces poétesses grecques de l'époque de Sappho. Qui s'accompagnaient de la lyre pour dire leur texte. Et un texte dit doit être rythmé, et c'est l'écriture qui donne ce rythme, cette musicalité. Hein. Ça peut être donné par les sonorités, par l'enchaînement des mots, voilà, et tout ce que l'on peut trouver à notre disposition pour marquer cette musicalité, cette rythmie du texte. Merci beaucoup. À présent, nous allons passer à notre deuxième rubrique qui s'intitule « L'auteur et son œuvre ». Et là, on va commencer par vous, Marie Vermont. Voici le recueil de poèmes de Marie Vermont qui s'intitule « Silence a cappella ».« Silence a cappella ». Bien, tout à l'heure j'ai dit que vous avez un style très concis. Bon, moi j'ai lu vos poèmes, ils sont très courts, ce n'est que normal. Ce ne sont pas des poèmes tunnels, si vous me permettez le terme, c'est-à-dire des poèmes kilométriques. Pourquoi vous le faites? Parce que vous devez respecter le nombre de pieds, paraît-il, en poésie, il y a le nombre de pieds à respecter. Et c'est bien cela? Non, j'avoue que je n'attache pas une attention particulière à la métrique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'avoue que lorsque j'écris, je ne compte pas. Bon, maintenant, pour éclairer le public qui est là et les téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans les deux poèmes, c'est-à-dire « Nuit blanche » et « Le zéphyr se faufile » Commençons par « Nuit blanche ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire
Ça dit expliquez-nous. Alors, nuit blanche, comme l'expression le dit, bon, ben, c'est lié au manque, à la nuit qui passe sans que l'on trouve le sommeil, donc à l'insomnie. Et pendant ces insomnies, l'esprit travaille, hein, parce qu'il a cette latence que l'on n'a pas forcément dans la journée, parce qu'on a toutes ces occupations. La nuit, lorsque l'on ne dort pas, on peut ressasser, on peut imaginer, on peut réécrire ce qui s'est passé dans la journée, repenser, se dire oh ben, j'aurais pu faire ça autrement, etc. Enfin, voilà, tout ce qui est de l'ordre de ce qui peut se passer lorsqu'on ne trouve pas le sommeil. Et puis, voilà. Si on ne trouve pas le sommeil, c'est qu'on a un problème. On peut avoir des soucis familiaux, des soucis professionnels, des soucis financiers. Oui. Pas forcément, ça peut être aussi une nature hein, qui ne dort pas beaucoup. Mais à l'opposé, on peut aussi se bâtir à des choses positives. Bien sûr. Hein, quand je dis que c'est aussi lors de ces insomnies, cette latitude pour être plus disposé à l'imagination, peut-être qu'on peut l'être lorsqu'on est pris dans le tourbillon des activités de la journée et des contraintes du quotidien. C'est vrai que c'est aussi... Ça peut être un moment de création, et pas forcément de création par rapport à la poésie, mais de création de projets, de projection sur ce que, ben, sur ce que l'on aimerait faire, sur ce que l'on pourrait faire, parce que le temps est là pour y penser, peut-être davantage qu'à d'autres moments. Maintenant, dans le Zéphyr se faufile. Alors, le Zéphyr se faufile, c'est une sorte de photographie. Photographie, on peut imaginer d'un jardin ou d'un paysage au cœur de l'été, au cœur d'une journée. Avec ces chaleurs accablantes. Voilà, une journée de chaleur étouffante, un peu écrasante. Et en ces fins de journée, ce petit vent qui arrive et qui annonce, qui est annonciateur de l'orage. Et après cet orage, ces paysages qui sont délavés et qui retrouvent leur calme. Voilà. Donc c'est un moment météorologique. Je dis ça comme ça. Moi je dis, c'est un peu une peinture avec les mots. Enfin, Madame Bandevel qui est peintre, peut-être même en peinture abstraite, on peut aussi exprimer des choses, cette tourmente de la nature, effectivement par des phénomènes météorologiques. Merci beaucoup. Silence a cappella. Bien. Voici le roman de Mariette Sigoni, L'amant des 4000. Je vais être franc avec vous. Quand j'ai reçu ce roman, je vous dis la vérité, je n'ai pas compris le titre. L'amant des 4000. Mais au fur et à mesure que j'avançais en lecture, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la cité de la Cour Neuve. Et cette cité de la Cour Neuve, vous connaissez, qui est une cité cosmopolite. Donc voilà le roman de Marielle Sigoni. Je vais vous le résumer rapidement. Marie met au monde, c'est en janvier 2004, elle met au monde une fille qui se prénomme Père. Donc, point de vue santé, il n'y a pas de souci. Mais Marie a l'angoisse permanente. C'est-à-dire, elle a la phobie des blouses blanches. Les assistantes sociales ont peur. Donc, entre biberon et les visites des membres de sa famille, Marie remémore toujours son passé douloureux. Donc, Anne, qui est sa compagne de chambre à l'hôpital, lui demande de se confier à elle pour évacuer sa souffrance. Et là, Marie ouvre sa boîte à sec. Est-ce que j'ai bien résumé votre livre, Marie-Sylvie? Oui, enfin, Anne me réveille parce que je pleure la nuit, en fait. Alors que je viens d'avoir un bébé, je devrais être heureuse, mais elle m'entend toujours pleurer. Mais oui, mais quand même, après avoir écrit ce roman, vous vous sentez heureuse maintenant? Ah oui, oui,
bien, d'accord, parce que vous avez tout dévoilé. Ah, j'ai tout dit. D'accord. Est-ce que c'est une délivrance pour vous? Oui. Aujourd'hui, oui. J'en avais besoin. Pourtant, j'ai gardé ça 40 ans. J'ai jamais osé en parler à qui que ce soit, à part mon conjoint. Et aujourd'hui, alors peut-être que est-ce que c'est par rapport à des événements qui s'est passé dans ma vie, mais il fallait que absolument que je balance ces deux secrets à la figure de certaines administratives. Quoi. Je ne sais pas si ils vont le lire, mais ouais. J'ai... D'accord. Et vous commencez votre roman à le présent. Tout à fait. Vous êtes reparti sur le passé. Oui. Tout en vous plongeant dans votre enfance. Est-ce que c'est fait? Ah non. Mais moi, le style m'a plu. Ah, pas du tout. J'écris. Déjà, je suis pas écrivain. Enfin, il y en a qui disent que je suis écrivain, mais je suis pas écrivain. Enfin, encore, j'arrive pas encore à me mettre ça dans la tête. J'ai écrit comme mon cœur. Je sais même pas comment expliquer en fait. J'ai dit, il faut absolument que je perce ça déjà là. Donc, vous écoutez votre cœur. Voilà. J'ai dit, il faut que je l'écoute. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je vais l'écouter. Je vais plus garder ça en moi. Et je balance ça. Et je balance ça, mais alors vraiment sans tabou, sans dire est-ce que ça va plaire, ça va pas plaire, on va me juger. On va me juger, oui, sûrement. Mais ça, c'est pas grave. Il fallait que je le dise. Même pour aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Mais d'accord, mais maintenant, par rapport à ces années-là, parce qu'il y a eu des injustices sociales, hein, c'est pour l'avouer. Quand je parle de ces années, il faut voir les années 70-80. Mmh. Est-ce que selon vous, la société française a évolué? L'administration a changé par rapport à ce que j'ai vécu. Après, les gens, je suis désolée, mais les gens, ils ont toujours le même état d'esprit. Ils le disent pas peut-être, hein, mais on le ressent encore aujourd'hui. L'administration, oui, je suis sûre. Maintenant, il y a des structures qui se mettent en place. Les gens sont écoutés. Moi, on m'a pas écouté. On m'a traité comme de la merde, effectivement, désolé. Mais aujourd'hui, oui, je pense que ça a changé. Mais les gens, dans les grandes villes, peut-être pas, mais tout autour, oui, il y a encore cette haine envers. Je ne peux pas dévoiler malheureusement l'histoire. D'accord, on comprend, madame. Et maintenant, les jeunes filles, disons même les femmes, est-ce qu'elles peuvent s'identifier à votre histoire? Tout à fait. Est-ce que ça peut les aider? Ah oui, 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 oui. Oui, oui, ça j'en suis persuadée. D'ailleurs, j'ai des retombées de femmes qui me disent faut pas se... Enfin, voilà, je ne peux pas tout dévoiler, je suis désolée, hein, c'est vraiment... c'est à vous de le découvrir, mais voilà. L'amende des 4000. C'est un livre. C'est un livre à lire d'urgence. Bien. Voici maintenant le roman de Karim Valdebert, L'improbable voyageur. Là, il s'agit d'une histoire banale d'un homme qui cherche quelque chose. Mais on se pose la question, il faut quelque chose, mais c'est quoi ce quelque chose? Ah, mais moi, je ne peux pas vous en parler ici, vous le saurez quand vous allez acheter le livre. Mais, merci, au revoir. Mais c'est un voyage, disons, de l'introspection d'un homme qui est parti et qui se trouve au pied de sa vie, mais qui se pose la question, pourquoi il est parti? D'accord. Est-ce qu'il est allé chercher la gloire? La gloire de rencontrer des gens que les autres n'ont pas rencontrés avant? Est-ce qu'il fuit quelqu'un? Voilà les questions qu'on se pose. De quoi on parle dans ce roman L'improbable voyageur? Et la même question à vous, Karim Valdebert. Est-ce que j'ai bien résumé votre livre? Tout à fait, Denis. Bien. Mais pourquoi vous n'avez pas dévoilé dans ce livre, dans ce roman, les époques et les lieux? Alors j'ai voulu, vous lecteurs, vous faire un peu travailler. Parce que moi j'ai fait ma part, j'ai écrit un roman, mais je me suis dit c'est trop facile de leur mâcher le travail.
travail, de leur dire où se passent les choses, à quelle époque se passent les choses. Donc je vous ai glissé des indices, et à vous de trouver les villes, les pays, les époques, les lieux et les personnages. Mais d'abord, est-ce qu'il y a eu quand même, parce que le livre est vendu, il y a des gens qui l'ont lu, est-ce qu'il y a eu des lecteurs qui ont réussi quand même à localiser ces lieux? Pas tout à fait, il y en a qui m'ont envoyé un mail, on a trouvé, on sait où c'est, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pouvez le dire ici? Ah non, il faut le dire. Ah non, il faut tout à fait le dire. Maintenant, lorsqu'on fait ce roman, on est édifié par la beauté du texte, franchement. Mais comment on arrive à ce niveau? On laisse parler son cœur, toujours, comme Marielle Cigogneau, je laisse parler mon cœur. Et je pense que l'improbable voyageur m'a pris par la main, parce que je suis un écrivain compulsif. J'ai travaillé ce texte sans aucun synopsis, sans aucun travail préliminaire. J'ai vraiment décidé de me laisser emmener par l'improbable voyageur au pas de son chameau à travers le désert. Même mon mari, qui était mon premier lecteur, me dit « Mais où veux-tu en venir ?» Et un jour, je l'ai regardé et je lui dis « Je n'en sais rien. Il n'y a que l'improbable voyageur qui sait où il m'emmènera. » Est-ce qu'on peut l'adapter au cinéma? C'est-à-dire faire un film? Ça, c'est un grand rêve. C'est un grand rêve qui m'a été soufflé par des lecteurs qui m'ont dit « Mais Laurence d'Arabie, le Fort Sagan, il faut en faire un film. » Donc si parmi vous il y a des réalisateurs, des mécènes, des gens qui veulent investir dans le cinéma, bah, écoutez, on est preneur. Merci. L'improbable voyageur. Loué sois-je. Ah, là c'est Anne-France Badou. C'est un livre. Elle n'a pas été seule. Vous avez été plusieurs à collaborer à ce livre. Mais la question que je veux vous poser, comment vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure de 27 personnes, quand même? J'ai été embarquée par Marie Milis, la directrice de cet ouvrage. Oui. Dès les premières minutes où je l'ai rencontrée, lors d'un stage de développement personnel, elle intervenait pour nous transmettre la pratique de l'auto-louange, à savoir c'est une pratique d'écriture qui va toujours après avec la proclamation du texte. Donc quand on est en groupe, on écrit, mais après aussi on proclame le texte au groupe. Cette pratique de l'auto-louange, Marie Milis en est le chantre en Europe, puisqu'elle a adapté une pratique en fait orale et millénaire, à nos habitudes occidentales et européennes. En fait, quand je dis pratique orale et millénaire, ça vient de très très loin, tant de l'Empire sumérien que des dieux égyptiens de l'Antiquité. Mais cette pratique est toujours vivante dans ces peuples millénaires aussi que sont les peuples africains de tous les bords, de l'Ouest comme de l'Est par exemple, de l'Afrique, et notamment grâce à Jean Kabuta, qui est du Congo, qui a étudié à l'université en Belgique, au niveau linguistique et ethnologique, la pratique du Kassala africain, qui est une pratique notamment chantée par les griots dans les villages et dans les communautés, pour se présenter les uns aux autres, notamment un peu avant les mariages, chanter avec gloire la lignée de la future mariée et la lignée du futur marié pour que les familles se connaissent. C'est aussi pratiqué beaucoup pour se booster avant un entretien d'embauche. Donc déjà pouvoir amplifier, dire je suis et amplifier ce que l'on est pour après rentrer plus dans le moule de l'entretien d'embauche à l'occidental, on va dire. Bien. Là, vous êtes entre la page 175 et 183, si je me trompe. Et votre texte à vous, c'est des plaquettes d'argile aux tablettes tactiles. Bien. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce texte? Alors, j'ai voulu remonter aux pratiques vraiment du début de l'écriture. Oui.
puisque ma passion, une de mes passions, c'est l'histoire de l'alphabet. Et donc je suis remontée par les études que j'ai menées en alphabet hébraïque, je suis remontée avant l'alphabet hébraïque. À l'époque, on va dire des hiéroglyphes égyptiens, vous voyez à peu près, hein, c'était il y a 4500 ans. Et entre ces hiéroglyphes égyptiens qui n'étaient partagés que par quelques personnes qui pouvaient dessiner aussi bien et lire tous ces signes, et ce que les peuples en esclavage dans l'Empire égyptien avaient besoin de lettres plus simples pour pouvoir s'exprimer dans leur langue à eux. Et donc ils ont emprunté quelques petits dessins et ils ont créé la première création mondiale démocratique et de vulgarisation au sens noble du terme. Ils ont créé l'alphabet. Cet alphabet qui date, ça fait déjà 3700 ans. Voilà. On en a retrouvé des traces sur des morceaux de tessons d'argile dans le désert du Sinaï. Et donc cet alphabet s'appelle l'alphabet proto-sinaïtique. Bon, s'il vous plaît, François Badoui, moi je m'appelle Denis Malanda. Donc j'ai deux initiales, D et M. Est-ce que vous pouvez interpréter mes deux initiales? Le D et M, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors le D, c'est la quatrième A, B, C, D, c'est donc la quatrième lettre de l'alphabet. Hein. Notre alphabet est directement issu de cet alphabet originel, on va dire. D, à l'époque, c'était délette. Donc ils ont travaillé par acronyme, délette étant la porte. Ils se sont dit, le D, c'est la porte. Et donc, toutes les lettres D, on va dessiner une petite porte. Donc l'ouverture. Voilà. Donc Denis est un prénom qui s'ouvre sur la lettre D, qui est donc la porte, avec toutes les qualités de la porte, c'est-à-dire une porte qui peut se fermer pour garder les secrets, vivre dans l'intimité, dans la protection d'une porte fermée, ou alors l'ouvrir pour accueillir ou pour sortir, et aussi tout ce qui se passe sur le seuil d'une porte, où on échange souvent beaucoup de choses. Et le M? Et le M de Malanda, alors le M est cette lettre qui est toujours restée au cœur de l'alphabet, un peu comme le bébé au cœur de sa maman, qui est dans l'eau du ventre de sa maman. Et donc M, c'est même, c'est l'eau. Voilà. Et alors c'est l'eau, mais l'eau qui est fertile de toutes les naissances, bien sûr. Vous imaginez entre l'Égypte, les terres égyptiennes des pharaons et les terres d'Israël, bibliques, pré-bibliques même, hein, et les terres sumériennes. Donc nous sommes au Moyen-Orient. L'eau, c'est vital. Il y a surtout des déserts là-bas. Ou de l'eau de mer, mais l'eau de mer, on ne peut pas la boire, ça ne nous fait pas vivre. Donc l'eau est très importante. Et ces peuples-là, ils ont mis l'eau au centre de l'alphabet pour être sûr qu'elle soit bien protégée et qu'elle puisse bien irriguer, voilà, et fertiliser tout ce qu'elle touche. Est-ce que ça vous arrive que les gens vous contactent pour interpréter les initiales comme je viens de le faire? C'est possible que les gens... Oui. En fait, cette manière de procéder s'appelle l'archéographie. C'est M. Marc-Alain Wacknin avec Dori Rottenemer qui ont mis ça à l'ordre du jour dans un livre qui s'appelle Le livre des prénoms bibliques et hébraïques. Et depuis, j'ai développé cela dans le cadre d'ateliers. Dans ce livre, Loué soit je, justement, j'en témoigne, parce que j'ai pratiqué cela autant avec des adolescents qu'avec des adultes, qu'avec des enfants. Et moi, je l'ai enrichi, en fait, de la pratique de l'auto-louange. C'est-à-dire que M. Denis Malanda peut dire « Je suis la porte, j'ouvre les possibles de la littérature au public du monde. Voilà. » C'est pas bon, ça? Merci beaucoup. Bien, ainsi, sous la troisième rubrique de notre émission, la lecture. Comme le nom de l'émission l'indique, l'heure de la lecture, d'habitude, je fais venir des comédiens qui sont dans les théâtres, qui viennent lire les œuvres, disons les romans, les extraits, les livres des invités du jour. Mais aujourd'hui,
comme je l'ai dit au début de cette émission, c'est une émission exceptionnelle consacrée à la Journée internationale de la femme. Donc je préfère que ces dames lisent elles-mêmes leur propre texte, leur propre roman. Donc on va commencer par vous, Alphonse Baluy. Vous allez nous lire un très beau poème qui s'intitule « Contre les murs ». Donc voilà. Est-ce que je peux expliquer en deux mots pourquoi il a été écrit ? Pour que vous n'ayez pas trop peur, peut-être. J'écris ce poème suite à un festival qui a lieu à Montmartre, à Paris, où un artiste, avec les autorisations nécessaires, a fait un collage sur un mur d'immeuble dans la rue où a vécu le poète Paul Verlaine, à l'époque où il était jeune marié, avec une certaine Mathilde de Motet de Fleurville. Mais autant la première année de leur mariage a été un paradis, comme l'a expliqué Verlaine, autant la deuxième année de leur mariage a été un enfer, puisqu'un certain Arthur Rimbaud est venu, et l'absinthe et la relation passionnelle entre Paul Verlaine et Arthur Rimbaud étant ce que nous savons, eh bien, Paul Verlaine a pété les plombs et a commencé à être très violent avec sa jeune épouse Mathilde Motet de Fleurville et avec leur enfance. Donc j'ai écrit en pensant très fort à Mathilde. J'ai écrit donc en auto-louange. Contre les murs, je suis l'éperdue, fracassée de tendresse. Je suis Mathilde, femme battue. Sur le terrain vague du viol de l'amour, fleurit mon inaltérable fraternité. Ma lumière vient de mes entrailles. Ma bienveillance est sans concession. Mon cœur palpitant est ouvert à l'éternité. Pour toutes les femmes battues, tombées sous les coups des hommes, mon amour est incontestable. Je suis la douce à l'âme inébranlable. Dans l'azur, ma vision englobe l'au-delà des hommes. Je suis capitaine de ma destinée. Sans regret, j'assume tout ce que les hommes n'assument pas. Je puise ma force dans l'amour de l'humanité. Ma vaillance est totale. Mes décisions sont sans faille. Rien ne me détourne de ma soif d'ouverture. Au cœur de mes douleurs, mon âme reste debout. Mes falaises battues par les vents ouvrent leurs yeux sur de perpétuelles aurores. Chaque jour de ma vie, je saisis le meilleur des lendemains. Dans ma nuit intérieure, brille l'étoile de ma volonté. Par-delà les possibles, je suis déesse de force et de beauté. À la fontaine de mon être, mon amour ne tarit jamais. Je suis Mathilde, femme debout. À présent, nous allons vivre un moment magnifique avec Marie Vermont qui viendra nous lire ses deux poèmes, Nuit blanche et Le zéphyr se faufile. On peut l'applaudir. Nuit blanche. Page blanche où les jours se réécrivent à l'encre ombrageuse des pensées ténébreuses. Nuit blanche. Page blanche où les entrelacs raturés ruminent les incertitudes. Nuit blanche. Page blanche où se dessinent les rêves colorés. À l'aube, le sommeil replie la page blanche dans les lambeaux flamboyants de la nuit déchirée par les premières lueurs du jour.
Le zéphyr se faufile dans la chaleur écrasante du soir. Il caresse l'espace d'une fraîcheur bienveillante. Les feuillages frémissent d'aise, puis s'agitent et se torsent dans une chorégraphie dantesque. Sur le ciel menaçant, une clarté éclate et parafe le crépuscule, alors que la foudre éructe sa colère dans un effroyable crépitement. Puis la fureur s'apaise dans le silence ruisselant des paysages ravivés. Merci Marie Vernon. Pour le plaisir de nos oreilles, nous allons écouter Marielle Sigonneau. Quand elle put enfin s'endormir, elle se revit bizarrement en 1978 à l'âge de ses 20 ans, à un certain moment de sa vie, celui qui l'avait fait tant souffrir. Se souvenant du moment où pendant des jours et des semaines on lui avait dit qu'un enfant était un peu trop tôt. Comme s'il y avait une loi qui disait qu'à 20 ans on n'était pas capable d'élever un enfant. Mais cette grossesse ne lui avait pas fait peur. Ils se sentaient prêts tous les deux, même si à l'époque ils n'étaient pas sûrs d'aller jusqu'au terme de sa grossesse. À cause de son entourage et de tous ces gens du monde médical. Mais ces années-là, il fallait aller impérativement voir une assistante sociale pour dire ce que l'on ressentait quand on allait avoir un enfant très jeune. Et quand en 78, Marie avait dû aller à son tour voir la sienne, elle n'aurait jamais pensé que cette femme écrirait dans son rapport des mots qu'elle n'aimerait pas. Elle avait ressenti dans le regard de cette femme un malaise, un visage de femme frustrée, un faux sourire, un air de compassion inexistant. Puis un jour, ce fut pire dans ses conversations et finalement, ce malaise qu'elle avait ressenti s'est avéré justifié. Marie se revoyait dans la salle d'attente avec un magazine qu'elle n'avait trouvé sur une de leurs tables d'accueil. Elle s'était dit qu'elle avait largement le temps de le feuilleter. Cela lui ferait passer le temps et surtout lui faire oublier un instant son rendez-vous. Elle se disait qu'il y aurait sûrement déjà du monde, mais malheureusement, à peine assise, on appela son nom. En voyant arriver un petit bout de femme, Marie se rassura un peu en se disant qu'elle n'avait pas l'air d'être bien méchante, juste un petit peu bizarre. Un être ressemblant à un homme en jupe droite, chemise gris. Elle avait tellement l'air triste avec ses cheveux gris tirés en arrière. Elle pouvait devenir assistante sociale, se dit Marie. En la suivant au fond du couloir, elle entendit des pleurs derrière une porte. Elle se demandait bien pourquoi, vu que c'était un centre social où normalement tous ces gens apportent du réconfort. Mais ces questions sont vite oublié quand son interlocutrice l'a fait entrer elle-même dans une salle. Mesdames et messieurs, voici le moment tant attendu. Nous allons écouter une voix sublime qui vient des Alpes-Maritimes. Et c'est celle de Karine Van de Velde. Les yeux croisés lors de son arrivée l'obsédaient. Il ne trouvait pas le sommeil. L'improbable voyageur avait eu vent de la présence de l'unité méhariste, car tout se sait dans le désert. Cela faisait plusieurs jours qu'il était arrivé dans cette magnifique ville, la perle du désert, comme on la surnommait, et elle méritait son nom. C'était un lieu de culture, fondé par trois grandes familles, qui cohabitait toujours depuis le XIVe siècle. Il avait été ébloui par les milliers de manuscrits écrits sur du bois ou de la peau et gardés, tels des livres précieux, au sein des familles, même les plus modestes. Il sut que d'autres Occidentaux étaient venus avant lui et ce fut une immense déception. Il avait la vanité de penser qu'il serait le premier à découvrir cette ville. C'était son premier véritable échec, et cela le rendait maussade. La Ménocale, l'homme qui l'avait accueilli, le lui avait dit avec un sourire désarmant. Puis il était parti, suivi de sa cour, et avait indiqué au voyageur une maison où il pourrait rester le temps qu'il lui plairait. Mais avait-il envie de rester?
Il contempla sa maison, chichement meublée, le sol couvert de nattes tressées par les femmes, un coffre en bois sculpté aux riches incrustations de cuivre lui permettait de ranger ses maigres affaires. Son burnous était élimé, son chèche déchiré. Ses bottes de cuir rouge n'avaient plus de teinte, mais peu lui importait. Il était saisi d'une grande lassitude, de celle qui vous laisse morose et sans volonté. Il crut un temps qu'il avait contracté la fièvre à force de privation. Il avait été surpris de voir un fleuve couler au pied de la ville. Il y avait tellement longtemps qu'il n'avait pas vu d'eau. Marie Vermont, de votre micro. Je crois que vous êtes conquise par l'ouvrage de Karine Van de Bert. Oui, tout à fait. J'ai donc lu avec intérêt cet ouvrage. Et pour moi, c'est un, dans ce roman, c'est un chassé-croisé, hein, entre les personnages. Différents personnages, bon, c'est un probable voyageur, bien sûr, mais aussi des femmes, des enfants, qui se cherchent, et se cherchent peut-être pour eux-mêmes, c'est un probable voyageur, mais aussi ces femmes et ces enfants qui cherchent le parent, la personne qui les a oubliés, qui les a laissés. Hein. Et ces personnes s'attendent, hein, dans ce chassé-croisé, s'attendent, se retrouvent ou pas. Hein. Et ce qui m'a aussi marqué dans ce roman, c'est l'idée d'abandon. Bon, je vais peut-être vous surprendre, mais ce voyageur abandonne la femme aimée qui porte son enfant. Il abandonne une seconde fois cette autre femme qui devient son épouse, lorsque cette Touareg, et qui a également un enfant de lui. Mais notons que la tradition chez les Touareg est très marquée. Hein. Oui, et très marquée. Que voulez-vous dire, M. Malanga? Oui, d'autant plus que cette femme Touareg a dû, pour épouser cet improbable voyageur... Bien, ce douteux voyageur. Oui. Il est douteux. Dépasser... Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, hein, parce que moi je vous dis, le douteux voyageur aussi. Oui, effectivement, parce que quand il arrive dans cette fameuse ville que vous découvrez, c'est le Firangui, c'est l'homme blanc, c'est celui qui n'a pas la même culture. Donc, il va ravir une jeune femme de chez eux. Oui. Donc, il y a toute la tradition ancestrale du mariage, effectivement, Touareg, avec l'interférence du féticheur qui va essayer de définir quelle sera la date propice. Est-ce qu'il va avoir le droit de l'épouser? Parce qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient, quelles sont ses intentions, bonnes ou mauvaises. Anne-France Badoui, vous avez lu le livre de Marielle Simonneau. Et ce livre vous inspire quoi? C'est un livre qui m'a plus qu'inspiré, il m'a complètement passionné. Oui. Attention, si vous commencez à le lire, il faut prévoir toutes les heures parce que vous n'arriverez plus à le reposer. Hein. Vous irez jusqu'au bout. C'est une merveilleuse histoire. Le roman est construit de manière absolument extraordinaire et efficace, c'est plein de suspense et l'histoire se déploie un peu comme un bouton de rose qui s'ouvre petit à petit ou comme une poupée gigogne dont on ouvre chaque poupée au fur et à mesure pour accéder à la plus petite, pour accéder en fait au cœur de Marie, le personnage principal, et à l'endroit le plus secret de Marie et de son histoire. Donc je ne révélerai pas les secrets, bien sûr. Non. Et ce qui m'a touchée aussi dans ce roman, c'est qu'il y a des... Il y a de multiples péripéties, il y a des choses tragiques et dramatiques, mais la narratrice s'est toujours restée au plus près d'elle-même. Il n'y a jamais aucun jugement de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. La narratrice énonce des choses, mais ne juge pas. Parce que ce livre est écrit en jeu, avec une narratrice qui est
pleine de profondeur et d'amour et qui nous donne une grande leçon de vie sur la prise de conscience de son libre arbitre. Grandir, c'est savoir dire non, c'est savoir résister, c'est prendre ses responsabilités et avoir la force de se relever à chaque fois que l'on tombe. Et avec cette narratrice, on apprend tout cela. C'est un véritable roman d'apprentissage. Et je le conseille vivement, notamment à toutes les femmes du monde. Et j'ai eu aussi une pensée émue pour, avant que je connaisse Marielle Cigogneau, donc une pensée émue pour l'écrivain, et aussi pour Madame Simone Veil, qui nous a quittés il y a pas longtemps, qui toutes les deux, autant Marielle Cigogneau que Madame Simone Veil, ont été des pionnières dans le combat des femmes pour la liberté de disposer de leur corps et de leur choix de vie aussi. Et c'est quelque chose d'une brûlante actualité, même encore aujourd'hui en France, et puis pratiquement partout dans le monde. Voilà, donc un roman merci beaucoup. Karine Van de Velde, je suis à vous. Elle vous a relu le poème d'Anne France Bagui qui s'intitule Contre les murs. Quelle est votre interprétation? Alors en fait, j'ai eu deux interprétations. Donc la première, quand j'ai reçu le texte, qui est bien entendu une violence, une très grande violence à travers les mots à l'égard des femmes. Bon, les femmes battues, c'est malheureusement un fléau qui continue à perdurer par des siècles. Mais profitez-en, puisque c'est la journée internationale de la femme, madame. Donc, nous devons en parler ici. Ça veut dire qu'on doit battre les hommes? Allez-y, Karine Van de Velde. Et en fait, quand j'ai rencontré Anne-France Badoui, et je le dis tout de go tel que je le ressens, j'ai rencontré un être de lumière. Au départ, j'ai lu ce texte pensant que c'était un banal poème de la vie d'une femme battue, et que malheureusement, ça pouvait être elle. Dieu merci, ce n'est pas elle. Elle m'a donc éclairée sur la personne. Mais il transpire à travers ses textes et ses phrases un pardon insoutenable, aussi tant est que ces deux mots puissent aller ensemble. Un espoir malgré les coups, un fond de culpabilité aussi, quelque part, qui transpire dans ses lignes, mais beaucoup d'amour, beaucoup de courage aussi. C'est un texte qui peut laisser, je dirais presque, une impression de malaise, parce que il y a beaucoup de non-dits, il y a un appel à l'aide. Alors, est-ce que Mathilde est une porte ouverte pour un appel au secours de la part de l'auteur? Est-ce que Mathilde est un deuxième Anne-France Badoui? Mais en tout cas, Mathilde est une femme qui, quelque part, correspond à Anne-France Badoui. C'est une femme certainement très forte, c'est une femme qui est ouverte sur les autres, et c'est une femme qui a accepté beaucoup de choses par amour. Merci. Bien, Marielle Cigogneau, pour vous, qu'est-ce qui fait écho du poème de Marie Vermonte, c'est-à-dire Nuit blanche? Alors, la nuit blanche, comme tous les écrivains, on l'a, malheureusement, puis heureusement, parce que c'est ce qui nous fait écrire des belles choses. Alors moi, dans cette poésie, je le trouve mélancolique, légèrement sombre, et pourtant on sent de la douceur et un brin d'espoir dans ce poème. J'entends aussi dans ces mots un gémant de confiance, je pense. Je peux me tromper. et pourtant, l'écrivain est bien là. Alors, la vie reprend ses droits au petit matin, comme un appel à la vie, comme un appel aux douceurs de la plume. Puis on entend aussi
les heures qui passent et on attend avec impatience que la journée se finisse pour ouvrir encore cette page blanche qui, j'espère, vous pourrez l'écrire encore et qu'elle sera plus blanche. Voilà, c'est ce que je remercie. Pour terminer cette émission, nous allons passer à la dernière rubrique qui s'intitule « Les livres ». Et je vais vous présenter les livres de mes invités d'aujourd'hui et des autres invités qui seront avec moi le 8 juin dans cette même salle. Donc, je vous recommande « Loué sois-je » d'Anne-France Baduy et « L'improbable voyageur » de Karine Van de Velde. Nous avons « La môme des 4000 » de Marielle Sigogno, « Science a cappella » de Marie Vermouth et « Non, je ne me tairai plus » de Véronique Diarra que je vais recevoir le 8 juin. Bien. Et le deuxième tome de Karine Van de Velde, L'improbable voyageur. Et un bon roman de Jean-Alexis Foutou, qui est là aussi, J'étais celle qui dérangeait. Bien. Marie-Léontine Tibinda, qui vient de sortir un très bon roman, La Tourterelle chante à l'aube. Sorti aux éditions LC, Cécile Langlois. Bien. Là, c'est Marielle Sigogno. Alors, vous, ma plume s'endort. C'est un recueil. Hein? Encore, les poèmes de Petite Fée. Vers le doux chemin de mes mots. La clé d'un bonheur caché. Bien, pour finir cette émission, j'ai une question rituelle que je pose toujours à mes invités. On va commencer par quel est le mot français que vous aimez le plus? Oh là là. Prenez le micro, s'il vous plaît. Vous me prenez de court. Ah, ça a été toujours comme ça dans cette émission, madame. Non. Le mot français que vous aimez le plus? Amour. Amour. On peut applaudir. Amour. Et Marielle Sigogno? Tolérance. Tolérance. Ah. Très bien. Karine Van de Velde, quel est le mot français que vous aimez le plus? Respect. Respect. Et Anne-France Baduy? Fraternité. Fraternité. Bon, ceux qui ont l'habitude de venir dans cette émission connaissent le mot que j'ai. C'est justice. Bien, je vous remercie toutes les quatre d'être venues nous rendre visite, d'avoir répondu à notre invitation. J'ai eu cette chance d'avoir des femmes exceptionnelles. Ce sont des véritables magiciennes. Bien, notre émission touche à sa fin. Merci d'être venus nombreux. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver ici, dans cette même salle, le 8 juin 2019. Et j'aurai le plaisir de recevoir Véronique Diarra, pour vous lever. Qui est professeur de lettres, romancière. Et ensuite, j'aurai aussi le plaisir de recevoir Jean-Félix Foutou. Professeur à l'Université de Rouen. Wow. Yeah. Qui est un romancier. Et mon ami Romain Boulmé, qui est poète. De la Société des poètes français. Et il y a une dame qui n'est pas là, mais qui sera là le 8 juin. Elle s'appelle Ivy Edwige. On peut l'applaudir même si elle n'est pas là.
Bien, vous avez remarqué, le son est parfait. Et ça, c'est le professionnalisme de Jeff. Oui. Bien, comme je l'ai dit, l'émission est terminée. Il y a la population qui vous attend. Et en même temps, la vente dédicace des livres. J'ai une phrase qui me plaît beaucoup. On n'achète pas le livre. On achète le temps de pouvoir le lire. Et c'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Allez, merci beaucoup.